Et donc voilà, on part. On y va. On part à Parix. Voilà. On vous fait partager notre arrivée à la gare. Voilà. Déjà. Moi je vais faire du bruit. Mec, c'est bordel. Voilà. Et voilà. C'est trop... Bon, on va essayer de vous proposer du contenu de malade. On va essayer de, dès demain, arriver sur le salon, essayer d'avoir un maximum de news. Ah bah déjà, oui. Voilà. Priorité Xbox One X quand même. Voilà, proposer, c'est ça. Proposer on tout va ce qui... proposer du contenu, voilà. Bon, c'était dit Assassin's Creed, parce qu'on a l'avantage de l'avoir essayé. On va pouvoir comparer. Parce que voilà. Ce que ça donne. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont vendu, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, bon, on verra. Et sur le stand PS4, il y aura du Detroit, où on a vu lors de la conférence les nouvelles images de Detroit. Ouais, il a l'air énorme, on va pouvoir essayer ça. Mal, Monster Hunter aussi. Ouais. Voilà, bah écoutez, on va vous montrer dans cette petite vidéo notre petit vlog, notre vie dans le train, jusqu'à l'arrivée dans l'hôtel. Et puis après, bah, la prochaine vidéo, ça sera le premier retour, peut-être sur un jeu, on verra. Voilà, bon en tout cas, à très bientôt. Et puis on espère que vous aimerez nos vidéos sur la Paris Games Week. À la piole. On est prêt pour partir à Paris Games Week. Ça y est, ouais, on est arrivé. Ouais. Là, c'est même pas qu'elle est arrivée en fait. C'est fini là. On va à minuit. 23h33. On est pas trop tard. Donc demain, Paris Games Week. Voilà. On commence. On va essayer de proposer un maximum de fun. Dès 8h30, on y est pétante. De contenu. Voilà. Bon, mais voilà. À demain. À demain. Alors, après 1h15 de queue là-bas, c'est un truc de malade mental. On est enfin à la Paris Games Week. On essaie là ? Allez, on essaie là.
amis, alors je suis actuellement avec Donkuren devant le stand de Plant Controller qui est juste derrière. Donc un petit mot en fait sur ce petit, sur cette entreprise qui permet donc la personnalisation de vos manettes, donc qui vous permet de changer la couleur de votre manette, de pouvoir changer les joysticks de votre manette, tout en gardant l'ergonomie de votre manette. Donc c'est-à-dire voilà, si vous aimez jouer avec une manette PlayStation, avec les joysticks Xbox, bah vous pouvez le faire grâce à Burn Controller, qui permettent de rajouter derrière les petites gâchettes derrière les manettes. Donc tout ça, j'ai demandé au vendeur, donc vous pouvez en avoir pour 110€ avec donc la manette, la personnalisation. Mais sur leur site, donc burn-controller.com, eh bien vous pouvez avoir donc une multitude et une palette de sélection en fait de personnalisation qui vous permettent tout simplement d'avoir la manette que vous souhaitez pour le gameplay que vous souhaitez avoir. Si vous voulez avoir une manette plus dédiée à du Call of ou à du Battlefield ou Battlefront, ben voilà, il y aura des manettes spécialisées pour. Et puis vous pouvez aussi avoir pour du FIFA. Enfin voilà, c'est aussi de très bons cadeaux, comme il y a l'approche de Noël, ça peut être aussi des beaux cadeaux. Donc voilà, donc sur Burn Controller, allez jeter un petit coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Et puis nous, on va se retrouver. Hello. On est sorti. On vient toujours de sortir de la. C'est le gros menteur. Il faut qu'on monte. On est sorti d'après Game Freak à l'instant. Il a passé. On leur dit la vérité. On a mangé un couscous. On a mangé un couscous. Et puis après. Très bon couscous. On est parti directement. Je te jure qu'il était. Voilà. Et là, ben, on va à l'hôtel. On va à l'hôtel, donc du coup. On va à la caserne. Non, parce que franchement, on vous a pas fait de vidéo vlog. Dans ce vlog, on vous a pas montré nos dortoirs militaires. Mais franchement, quand on a réservé l'hôtel, on a complètement oublié un détail important. C'est que lorsqu'on réserve dans l'hôtel qu'on va vous montrer, eh ben, on s'accrochait. On avait envie, quoi. C'est franchement. On avait envie d'aller à la Paris Games. Franchement, c'est... parce qu'on n'a pas le culte. Du luxe, ah, moi je m'en branle, mais franchement là il y a des limites et vous allez tout de suite reconnaître. Je vais vous montrer le logo. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà, hôtel Formule 1. Bon voilà, en voilà. Tout cas c'était pour conclure cette première journée avec vous. Donc, et puis, bonne journée, plein de bonnes surprises. Ouais. Puis on vous dira le. Ouais voilà, bah déjà on va voir demain, on va tester d'autres jeux qu'on n'a pas pu, parce que par exemple on testait Monster Hunter World, les gars qui géraient la file d'attente disaient qu'il y avait 6 heures de queue d'attente. 6 heures. Donc demain notre challenge c'est d'y aller dès le départ, dès l'ouverture. D'y aller voilà. Parce que si. Mais le problème c'est qu'il faut qu'on puisse être dans la salle à 8 heures. Et oui, mais on a eu près d'une heure de queue devant le, devant le hall 1 pour rentrer, quoi. Ouais, c'est un truc de malade. Voilà. Bon, mais en tout cas, voilà, nous on va aller se reposer, on va dérocher. Et puis, on vous dit à. On va aller se reposer, à demain. On va dérocher. Oui, on va se reposer un petit peu et puis on va dérocher, parce qu'il faut quand même dérocher. Devant, on déroche, après on se reposera. Ouais. On se repose, on déroche et on se repose. On fait ça. Voilà. À demain!
notre séjour à la Paris Games Week se termine. Ça y est, c'est terminé. Voilà, on a fini les derniers. Je vais rester un jour de plus. La dernière distribution de cadeaux. C'est ça. Ubisoft. On a gagné un super t-shirt Assassin's Creed. Un super t-shirt Assassin's Creed. Hop. Voilà. Qui conclut la. Qui conclut cette Paris Games Week. Donc on était très contents. Voilà. C'est de se voir sur notre front. On est claqué deux jours de marche à droite, à gauche. Là, je pense qu'on était bien. C'est ça. En tout cas, voilà, le but c'était de vous montrer un bon contenu, de vous faire découvrir tout ça avec nous. C'est ça, vous donnez nos impressions. Si tu veux commencer, donner tes impressions, du coup, est-ce que tu es voilà, content, pas content, mitigé ton avis en fait sur le truc, ce qui t'a marqué? J'étais très très content, après un petit peu déçu de ne pas avoir. Les attentes qu'on espérait, c'est-à-dire que les jeux qui tournent sur la Paris Games Week en ce moment sont sensiblement les mêmes que ceux qu'on connaît déjà, par exemple Assassin's Creed Origins, etc. La Xbox X, il n'y a pas. Justement, en fait, on vous en parlera dans un débrief. On saura ça plus tard. Mais il n'y avait pas d'Xbox One X. Je trouve que voilà, il y a beaucoup de tape à l'œil, mais pas beaucoup de contenu finalement, et c'est un peu vide. Les bonnes surprises pour nous, finalement on a essayé Detroit, on était super contents, c'est le jeu qui nous a plu, ouais. Et Dragon Ball Fighter Z, c'est vraiment sympa. Il y a des choses qu'on n'a pas pu essayer, il y a des choses qu'on connaît déjà, parce qu'ils sont déjà sortis. Voilà. Voilà. Ouais, mais à mon avis c'est pareil hein, que Yo, hein, avec Yo et Tan, du coup c'est content d'avoir été là ces deux jours, content de vous proposer ce contenu parce que du coup. C'est toujours énorme de pouvoir venir dans le salon français. La France a l'honneur pour cette Paris Games Week. Mais voilà, déçu parce que du coup, on n'a pas pu essayer la X. Il y a beaucoup de monde aussi. Donc la devise quand on vient faire la Paris Games Week, c'est la patience. Donc d'ailleurs, l'année prochaine, on verra pour essayer de vous proposer l'expérience d'une manière différente. Là, c'était notre première année pour essayer, pour découvrir un peu avec vous. Mais en tout cas, voilà, il y avait du monde, c'était un peu décevant. Puis ouais, pas de Xbox One X, c'est ma plus grosse déception. Par contre, mon gros coup de cœur, ça a été Shadows of the Colossus et ça a été Detroit aussi, qu'on a pu essayer deux fois, deux approches différentes de la scène. Donc ça, c'était génial. En tout cas, voilà, j'espère que ce vlog, dans lequel vous allez voir cette vidéo, vous a plu. Et puis on va vous faire de toute façon un débrief Paris Games Week dans les semaines qui arrivent pour vous en parler. En tout cas, merci. Et puis, à très bientôt. Tiens, un mot à la fin. Non ? Au revoir. Au revoir dans la prochaine. Yes, à très bientôt. Ciao.